Yo la famille, c'est PRI2S, Prince Brice. On se retrouve pour la saison 3, première semaine, épisode 2. Ça fait beaucoup, je sais, mais bon. On a passé un très bon moment déjà à l'épisode 1. Je veux pas vous mentir, j'ai passé un très bon moment. Ça m'avait gravement manqué. Vous me voyez avec les mêmes habits. Ça veut dire que je fais la deuxième vidéo le même jour. Comprenez, j'avais deux épisodes. L'épisode 3 va sortir entre samedi et dimanche. Mais s'il vous plaît, faites-moi plaisir. D'abord, avant tout, avant même de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que les trois premières personnes à commenter auront une dédicace. Donc merci à Le B, Chacha et Allegra d'avoir commenté en premier. 4 mariages, saison 3, épisode 2, let's get it! Yeah! Ella! La mariée du jour! Bonjour! Un point! J'ai pas encore vu les commentaires parce que j'ai fait la vidéo le même jour, comme je vous ai dit. On va commencer à écrire comme ça un point. U-L-P-W-E. Accent aigu. Je m'appelle Ali. Un point. Bientôt, je vais épouser l'homme de mes rêves, Christian. Cristiano. Yella. Alicia, 29 ans, et Christian, 34 ans, ont fait connaissance à Kampala, en Ouganda. Il y a 10 ans, elle avait 19 ans et le gars a 34 ans. Donc, il en avait 24. Au moins, elle n'était pas déjà mineure. Minaise. Ils se sont rencontrés en Ouganda. Loin comme ça, c'était quoi? Université, études ou bien? Alors qu'ils fréquentaient le même centre de langue. Centre de langue, pour ceux qui sont en Afrique du Sud, ABC. À Djobourg. Ceux qui sont en Afrique du Sud, ils vont grave rire. C'est ceux qui ont déjà fait l'anglais en Afrique du Sud, précisément à Djobourg, ils vont grave se retrouver. Il avait l'air de me draguer, mais je voyais que je suis encore nouvelle, je ne connais pas les gens. Et on a fait l'amitié. Après quelques mois en Ouganda, Christian s'envole pour l'Inde et Alicia pour la Chine, où ils doivent poursuivre leurs études. Eh oh, leur histoire, vraiment. Non, forcément, une passion des histoires novelaresques. Ils se retrouvent en Ouganda. Ouganda, c'est où eux tous font l'anglais. Ok, on comprend. L'autre part en Chine, l'autre part en Inde. Et puis vous vous retrouvez à Kinshasa pour faire les mariages. Les années passent, mais l'épreuve de la distance ne décourage pas pour autant Christian. Il est trop doux, trop calme, il ne parle pas beaucoup. Et il donne l'argent. Bombastic side-eye. Misto! Michtonaise! Michtonaise! Un point, tu es une michtonaise, hein? En blaguant, ça va comme ça. Comment est-ce que tu peux parler d'argent dans 4 mariages pour une ligne de miel et il donne l'argent? Toutes les femmes aiment aussi un homme qui donne l'argent, c'est ça vraiment ses qualités. Donner l'argent, c'est ses qualités. Donner l'argent, c'est pas une qualité, c'est un devoir. Surtout quand vous planifiez beaucoup d'histoires. C'est un devoir quand tu es marié, c'est pas une qualité. Arrête de dire que c'est une qualité. La générosité, voilà, la générosité est une qualité. La générosité n'est pas seulement financière. Elle peut être dans beaucoup d'autres sens. Michtonnez un peu. J'aime ça. C'est original. En vrai, de vrai, j'aime bien. J'aime l'originalité qu'il y a sur cette robe. Honnêtement parlant, je vais pas vous mentir, j'aime bien. Et là, les jours du mariage. Je dérange les voisins. Ah, je m'en bats les lélés. T'as fait ci, t'as fait ça, t'as braqué. On s'en bat les lélés. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, c'est la mariée qui a appelé hier. Je devais une coiffure simple pour les civils, non? On va partir sur un maquillage qui peut passer partout. On va maquiller un peu rapidement parce qu'on a plus trop de temps. Comment on dit belle en Suède? Ella! Quelle transformation! Un point! Au commencement, il fallait dire tu es jolie. J'aime l'originalité de sa robe en fait. Elle fait une très belle mariée. Un point! Et nos mariés juges arrivent au domicile familial de Christian où les invités déjà installés attendent les futurs mariés. C'est toujours bien d'avoir un minimum de branding. Plutôt élégant, moi. Il y a le marié vraiment élégant, il est vraiment genre serein, j'aime bien. Une entrée toute en élégance. Oh oui. Là, elles ont raison. Là, elles ont raison sur le bouquet. Le bouquet de fleurs, faites ça un peu que ça soit naturel, non? Même si on dit, même si le bouquet il est joli, certes, oui, mais un petit bouquet là, seulement, ça coûte pas beaucoup. Et puis son thème c'est nature et coutume. Chef coutumier ou bien nature et coutume. Mais bon, fallait vraiment qu'elle trouve un bouquet avec des fleurs naturelles. Pour un thème qui fait référence à la nature, j'aurais voulu voir des fleurs naturelles. Il
le responsable de... Alicia est là, il peut se manifester. Papa Zachary, est-ce que vous reconnaissez bien le monsieur qui est devant vous? Elle pose la question, vous êtes sûr? Et si tu le reconnais pas? Si par exemple sa mémoire a été formatée, le mariage sera annulé quoi. Admettons que sa mémoire a été formatée, le mariage sera annulé. Est-ce que monsieur Christian a également versé sa dot? Est-ce que vous nous autorisez de bien vouloir... Aussi, vous nous autorisez... Oh. Même si c'est le mariage d'un pouet, c'est pas dire si c'est le mariage d'un pouet, toi aussi tu dois entrer dans ce délire. Hein. On peut pas célébrer un mariage si le monsieur n'a pas versé la dot. Donc c'était vraiment bien de poser la question à papa et s'il est valide leur union. En tant que Congolais, même pas Congolais, en tant qu'Africain, en parlant de la dot, vous pensez vraiment qu'ils vont arriver au mariage civil si ils n'ont même pas encore payé la dot? Ce sont des questions débiles à parler. Qui au Congo a déjà fait un mariage civil sans que la dot a été versée? Peut-être commencer à nous énerver à cette heure, j'ai déjà mal à la tête. Vous apprendrez pour épouse mademoiselle Alicia. Oui, je le veux. Mademoiselle Alicia. Tu les vois? Un poète, tu les vois? Oui, je les vois. Oui, elle. Oui, j'ai levé. Elevator. Élévation. Oui, j'ai levé. Un point. Juste un tout petit point encore. Oui, j'ai levé. Notre accent a été... Je sais pas pourquoi est-ce que... Je sais pas. Je n'ai envie de ne rien dire, mais bon. La seule chose que je peux faire, c'est juste ça. Oui, j'ai levé. J'ai levé un tout petit point. Alicia, mon amour. Yeah! Les déclarations, ça commence. Ça fait belle lurette. Ça fait belle lurette. Qui dit ça en 2024? Ça fait belle lurette. Sois un peu jeune, ça fait un bail. Meuf, ça fait un bail que j'ai toujours voulu mettre cette bague tout de ton doigt, bébé. Sois un peu moderne. Ça fait belle lurette. Vous voulez ressusciter Molière ou quoi? Le temps est venu pour moi de glisser légèrement. Bombastic side eye. Ah, Seigneur. On passe. From the day I met you. English. Hey, pour les English. You changed my life. Yella. I'm yours now and you're mine. Yella. Ça porte le petit charme anglophone là. Je te promets de... Hé hey, l'anglais a dévié. Hé hey, donc c'est elle qui avait fait quoi ça encore? Dans l'épisode 1 là, c'est elle qui faisait quoi? C'est elle qui avait dit le mot là en anglais au début là. C'est un point. Ok. I promise to love you forever. Ça vient à peine de commencer. D'aimer, de te faire respecter. L'anglais a chaviré. L'anglais s'est noyé d'abord un peu. I will take care of you. I take care of you. Yee! Rihanna et Drake. Rihanna et Drake. Bon, la chanson c'est de Rihanna et Drake. En vrai, c'est Rihanna et Asap Rocky. Wouhou! Lele! C'est bon, soyez heureux jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et après la séparation de la mort, vous retrouvez au ciel encore. On passe! Donc là, maintenant, vous allez vous tenir, vous allez nous faire une rumba sans musique. Oh, non. Oh my god, bro! Hell, man! What the fuck, man? Pour précision, je suis de Lubumbashi, plus précisément du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo. C'est d'où je viens. J'ai une question pour vous, les Kinois. C'est ça que vous faites? Dans certains mariages, vous dansez la rumba sans musique. Donc vous serez là. C'est pathétique, vraiment. La réception. C'est joli, j'aime bien. Et puis elle nous a dit nature, donc c'est vraiment, on est dans la nature. Oh, toute blanche. Il y a un peu trop de blanc déjà, ça m'énerve. Il y a quand même un effort, vous voyez, hein? Il y a quand même un effort. Les couleurs sont quand même respectées. C'est vrai, les salles congolaises, je ne vais pas me répéter sur ça. Mais quand même, vous voyez qu'ici, il y a de l'effort. Il y a quand même quelque chose qui a été fait. Il y a un truc, il y a un charme. Vous voyez, non? C'est pas comme dans l'épisode passé, là, où il y avait seulement les verbes. Bien, article 15, débrouillez-vous.
Ah, ça va, là, ça se voit qu'il y a quand même eu de la volonté à faire quelque chose. Beaucoup de belles choses, beaucoup de bons éléments que je remarque. En soi, déjà, pour moi, ça mérite déjà un 13. Personnellement, ça mérite déjà un 13, vraiment, pour l'effort. C'est juste qu'il manque ces petits détails-là, ces petites choses-là, vous voyez, un peu vraiment pour... Hein, pour rappeler la nature, parce que son thème, c'est la nature. À l'intérieur, il y a quelle nature à l'intérieur? La nature est blanche, non? Je vois de beaux détails sur la table, notamment des feuilles. J'ai également un problème avec la proportion. Non, c'est vrai, c'est pas vraiment genre le top, mais il y a quand même de l'effort. Franchement, il y a vraiment un effort. Il y a quand même du travail, je vois de sous-plats. On entre, on ne sait pas voir. On ne sait pas voir un thème. Ça, c'est vrai, on ne sait pas voir le thème. On ne sait pas voir le thème du mariage, vous voyez. Là, elle a pas tort. J'aurais voulu qu'elle ait moins de fleurs naturelles. Yeah, nature. Arrêtez de toucher les thèmes nature, là. Si vous ne voulez rien de naturel, si vous savez que vous n'allez rien mettre de naturel, n'utilisez pas le mot naturel. Naturel, tu viens du mettre du plastique. Ici, on voit la nature. C'est joli. Oui, le petit panier, qui a des basses. Ok. Ça respecte. La table de mariée, ça va. Je trouve que c'est quand même dans le thème. Là, il n'y a rien à dire. Elle a quand même investi un pouet. Hein. Elle a quand même un pouet donné son cœur dans son mariage. Je pense que les notes seront beaucoup plus basses que hautes. Lui, la note de 12. Hé hey, Joël. Parce qu'on s'attendait beaucoup plus à la nature. Mais c'était bling bling. Criminal offensive side eye. Fallait te limiter à la nature là-bas. Quel bling bling toi aussi tu vois là-bas. Tu commences à m'a bien parler après la fin. Tu chavires. Je lui attribue la note de 8. Bienvenue en Afrique. Donc la décoration de Joël et la décoration de Mpwe, c'est pareil. Là, les 8 que tu as donné là, c'est pour les dangers. Alicia, je donne la note de 8. Bienvenue en Afrique. C'est ça qu'on aime ici. Les notes qui cassent, ça fait mal. Bienvenue en Afrique, où on ne blague pas. On peut te donner un 8 pour quelque chose qui mérite même un 16. On te donne avec le sourire 8. Les mariés aussi, c'est quoi ça? Fais la danse des acolytes, ça signifie quoi? Entre, coupe les majas, c'est comment? Entre là-bas, toi aussi, ça va commencer. Tu danses, tu mets déjà l'ambiance. Toi, tu entres, c'est. Même les pas des acolytes, c'est un peu mouvementé. Toi, c'est vraiment. Coupez les majas, c'est votre mariage. Dansez! C'est quoi ça? La nièce d'Alicia tient à offrir un cadeau particulier au mari. Je m'adresse personnellement à la grande de mes petites sœurs, Épinesse. Tu vas voir la vidéo ici, n'est-ce pas? Moi, les jours de mon mariage, si cela arrive par la grâce de Dieu, dites amen dans les commentaires. Amen, je vais me marier. Tu vas quand t'as les machins comme ça? Tu es là sur TikTok en train de danser tout le temps tes chansons là. Aujourd'hui là, je te préviens déjà, Épinesse, là où tu es, tu vas danser comme ça. Tu vas couper les majas. Richesse là, la petite, parce que j'ai deux petites sœurs. La Richesse est trop petite. Riri là, elle est trop petite, faut la laisser. Je m'adresse directement à ma petite sœur. Je lui ai jamais fait un message solennel. Mais là, Ochu, Princesse, Épinesse et Kanga, les jours de mon mariage, tu vas couper les majas. Tu te connais très bien. Sinon, c'est mignon en vrai, c'est mignon. Mais c'était un peu long. Pas oublier la pression et on les encourage. Un tout petit pouet baisser les lumières. Un tout petit pouet baisser les lumières. C'est nul. Moi. Ah Seigneur. Seigneur, donne-moi les fonds. Tout ce qui me manque, c'est les fonds. Ouverture de balle, 6. Baisser un tout petit pouet de lumière. Petite fumée équivalente. Petit feu d'artifice illuminante. Tout petit pouet de tout ça là. On a besoin de ça. Un pouet. Les assistantes obèses. Je sais pas, y a pas ce truc là. Dévore ta femme du regard. Charme ton homme du regard. Crée l'osmose. C'est ça, et ça. Humide, hein? Et trop humide. Elle est trop quoi? Joël, fais attention, hein. Tu chavires beaucoup. Elle est trop quoi? Et trop humide. Elle est trop humide. Le balinga là-bas qu'on traduit. C'est qui est venu avec. C'est qui est ce Congolais là qui est venu nous introduire ces histoires là des tikili? Timide! Un peu morte pour moi. Merci, merci. Pas morte, nul! Faut dire les termes dit. Oh, donnez les notes, pardon. Pour l'ouverture de bas, la note de 10. La moyenne, c'est mérité. La note de 10 pour ne pas dire 9. Elle, au moins, vraiment. Joël, tu as le cœur. Elle veut pas dire 9 parce que c'est un peu genre dégradant. C'est un peu genre en dessous de la moyenne. Elle donne un 10. Je donne la note de 10. Ça fait faim, je pense que tu vas manger. Wow.
Bon, ça va. En soi, ça va. Chauffandise ici, qui ressemble à chauffandise de cantine. C'est arrêté ça dans les mariages, pardon. Ça devait sortir, mais là c'est sorti. Il faut pas ça. Dans un mariage, il faut pas ça, pardon. Cherchez un truc un peu, hein, époustouflant. C'est la base, le standard est respecté, quoi. Et les places sont disposées de façon propre et organisée. L'équipe qui fait le service est en tenue professionnelle. Ça rassure tout ça. Merci pour avoir ajouté ton commentaire. Merci, Astou. Il y a même la chenille. Ça va quand même. En vrai j'aime bien. Franchement, c'est bien géré. C'est légumes, moi j'aime bien. C'est un peu fou, mais j'aime bien. C'est bon. Apparemment, vous êtes toutes d'accord. C'est bon. J'espère que vous allez donner des bonnes notes. C'est bon. Donnez des bonnes notes. Les mariés juges semblent avoir vraiment apprécié leur repas. Va sûrement avoir des notes records. J'attribue la note de 14. Joël donne des bonnes notes, hein. Des notes respectueuses et de très bonnes notes. Je donne la note de 11. Hein? Après avoir dit que tout était bon, la Claudia ici c'est un danger en soum-soum. Elle donne des mauvaises notes mais dit des bonnes choses, je sais pas. Il lui attribue la note de 10. Jessica, tu as tout aimé, même les légumes, la viande, tout tu as aimé. Ok, on écoute d'abord. C'est vrai que la nourriture, elle était bonne. Ok, elle a même dit, c'est vrai, la nourriture, elle était bonne. Mais il n'y avait pas assez de variété. Variété, on y va encore. Si dans ton mariage à toi, Jessica, on ne voit pas le caviar, on ne voit pas le calamar, on ne voit pas le crabe, on ne voit pas les huîtres, on ne voit pas les escargots, on ne voit pas des histoires qui vont à l'encontre de ce que nous, les Congolais, on mange, tu mériteras déjà un 10. Variété. Va regarder Caribou Variété. Pour ceux qui ont la référence, vous allez grave rire. Parce que même moi, même en fait, je viens de me rendre compte que je viens de dire une bêtise, en fait. Je m'attendais à plus venant des... Je connais pas la chanson, c'est pas parce que tu j'ai risque de vriller. Moi comme ça j'étais chasse de mon mariage. Je ne connais pas la chanson, donc vu que tu ne connais pas la chanson, tu peux pas danser sur ça. Elle vient même vous chercher pour un peu aller vous ambiancer avec elle. Allez danser avec elle, juste un tout petit pouet. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Apparemment, au son de la musique qu'elles ont choisi, bien évidemment. Je vois une belle participation des invités. Enfin. Il s'est un peu lâché, il était trop coincé là, on l'a dévissé. L'ambiance générale de Alicia, je donne la note de 12. Je lui attribue la note de 11. Jessica, tu me déçois. J'attribue la note de 10. Joël, jusque là tu as donné des bonnes notes, à la fin tu dégringoles, qu'est-ce qui va pas? J'espère que vous avez aimé et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, c'est très important pour moi. Bon. Il faut aussi me reposer, je dois dormir, je dois faire le montage de la première vidéo qui est déjà sortie présentement. Ceci étant dit, je vous dis ciao, let's get it! Dans ma dent, je viens de croquer dans la pomme, ouais. À la place du nom réel, sur ma tête j'ai des cornes, ouais. Je peux pas t'en parler alors je pleure seul dans mon corner. Celui qui va soigner ma peine n'est pas encore né. N'est pas encore né. Kézy Prime, c'est Prince, on vous le promet. Hey, viens rejoindre les spécimens, viens rejoindre les spécimens. Hey, rapper comme nous, c'est pas humain, tu pourrais y laisser humain. Yeah, viens rejoindre les spécimens, viens rejoindre les spécimens. Rapper comme nous c'est pas humain, tu pourrais y laisser humain. J'suis dans la défi, j'suis dans la défi.